Quand on voit, on nous dit, elle dit, I have seen him die. Ça veut dire que je l'ai vu mourir. Elle dit que je l'ai vu mourir. Regardez ça. Et elle s'appelle Daniela Frazier. Wow, bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyons Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun. Soyez prêts. Dans cette vidéo, vous risquez de voir des choses qui risquent de vous faire pleurer. S'il vous plaît, soyez forts. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, tuez la cloche parce que après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Restez connectés. George Floyd est décédé. Décédé à cause des policiers qui ont mal fait leur boulot. Maintenant, la population réclame justice. Justice pour George Floyd. No justice, no peace. Pas de justice, pas de paix et la population est révoltée. Dans la suite des vidéos qui vont venir, nous allons tout vous montrer. Restez connectés, abonnez-vous. Maintenant, là nous commençons par la jeune fille qui a filmé ce jour-là. Elle qui a filmé ce qui s'était passé, comment elle a tapé le policier, tout ça. Elle va revenir sur les lieux et elle sera en larmes. Elle va dire, mais waouh, je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je leur dis ça à chaque fois. Qu'il est tenté de se touffer, laisse-le, mais ne m'ont pas écouté. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ça fait pitié, ça fait vraiment mal au cœur. Elle dit que c'est terrifiant, ça la touche. Suivez dans notre studio pour voir ça. Âme sensible, bah, veuillez vous en abstenir. Soyez prêts. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille. Si c'est le cas, Dieu merci. La vie aujourd'hui, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que nous sommes en vie. Tous les jours de ta vie, c'est ce que tu dois dire. Maintenant, regardez ça! Vous voyez le camp, George Floyd, c'est cet homme qui est là et c'est lui qui a disparu. Vraiment, ça fait pitié, ça fait mal et tout le monde réclame justice pour lui. Et là, on voit la femme, la jeune fille qui avait filmé ce jour-là, c'est elle qui est ici et elle est toujours en larmes, tellement dépassée qu'elle a décidé de revenir ici le lieu. Comment ça s'est passé? Et voici ce que ça donne. Comme vous voyez, elle est ici. Elle est en larmes et elle est en train de parler. Ce qui peut nous aider dans la traduction, vous pouvez le faire tranquillement dans la partie commentaire. Nous essaierons de faire notre foi pour vous dire quelque chose. Comme vous voyez, on nous dit, elle dit, I have seen him die. Ça veut dire que je l'ai vu mourir. Elle dit que je l'ai vu mourir. Regardez ça. Et elle s'appelle Daniela Frazier. Oh mon Dieu, j'ai posté cette vidéo. J'ai posté cette vidéo la nuit dernière et c'est devenu viral. Et quand voilà, et tout le monde a répondu, tout le monde m'a répondu et a dit comment how do I feel? Comment te sens-tu? Comment dois-je me sentir? I don't know how to feel. Je ne sais pas comment me sentir. Tout le monde a répondu. Et les gens nous posent la question, ça, mais comment est-ce que tu te sens après avoir vu la disparition, la mort de cet homme-là, juste là sous tes yeux, tu as filmé. Comment te sens-tu? Elle dit, mais comment dois-je me sentir? Je ne sais pas comment me sentir. Parce que c'est tellement triste. C'est triste, frère. Elle dit, parce que c'est triste, frère. This man was literally right here. Elle dit, cet homme était juste là, devant là, à 8 heures. 8 heures du matin, hier. I was walking my cousin to the store. Elle dit, je marchais avec mon cousin et on allait juste dans le magasin. Et I just see him on the ground. I'm like, what? I wonder what is going on. Elle dit que je l'ai vu juste là, sur le sol, mais elle ne savait pas ce qui se passait. I pull my camera out. Là, elle dit qu'elle a fait sortir sa caméra. This man cannot, okay, breathe at all. Elle dit que cet homme ne pouvait même pas respirer. He's like, please, I can't breathe, and they did
Note. Là, elle dit qu'il était comme du genre, je ne peux pas je peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Vehicle this man. Elle dit qu'ils ont tué cet homme, mais pas des policiers là. Ils ont tué cet homme. Il ne faisait que dire qu'il ne pouvait pas respirer, mais eux ne l'ont pas écouté, ils ont tué cet homme. Elle dit, and I was right there. I was like 5 feet away. Donc, elle dit qu'il était genre comme à 5 pieds 2. Elle était juste là. Elle est vraiment triste, elle est vraiment, vraiment attristée. Il so traumatizing. Elle dit que c'est si traumatisant. Elle est vraiment choquée, elle est sous le choc. Elle doit quand même mettre son masque et voler. Vraiment, cette situation, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Aux États-Unis, vraiment, c'est vrai, on nous présente tout le temps de belles choses, mais ce qui se passe là-bas en vrai, c'est que des morts. C'est que des morts. Les gens tuent les gens n'importe comment. Du jour au lendemain, quelqu'un meurt. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? La femme, elle dit qu'elle est traumatisée. Regardez les autres personnes qui sont là. Et la population est révoltée. Vous le voyez, la population est révoltée. Just World. Thousands of protesters gathered around the Manhattan Police intersection. Là, voici les protestations qui ont lieu. Les gens sont levés et ils réclament justice. Ils réclament justice. Face à ça, certaines stars ont répondu et c'est ce que nous allons voir juste là maintenant dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer cette vidéo, restez connectés parce que beaucoup de vidéos vont venir après ça. Restez prêts et dites-nous surtout ce que vous en pensez. Je vous attends maintenant. Et c'est parti. Partagez cette vidéo au maximum et vraiment, faites très attention à vous. Que Dieu nous protège surtout. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Que Dieu ait pitié de nous. La femme de cet homme est en train de pleurer. Il faut voir la femme en train de pleurer. Quand je l'ai vue, ça m'a choqué. Elle ne pouvait même pas nous regarder en face. Elle avait la tête baissée, tout en pleurant. Sans doute, nous vous montrerons cela dans la prochaine vidéo. Restez connectés.